Ski Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Et de Voyage Gendron, vacances plein la vie. C'est la rivière Columbia, c'est ça? Oui, c'est la rivière Columbia, puis la piste ici, c'est Snow Rodeo. Excellent. Bienvenue à l'émission et bienvenue. On n'est pas tout à fait au sommet, mais dans le plus grand domaine skiable, le plus grand dénivelé en Amérique du Nord, c'est à Revelstoke, en Colombie-Britannique. Marie Duchesneau, je me demande pourquoi tu as décidé de t'installer ici. Bien là, c'est ici que la meilleure neige. C'est pour ça qu'il fallait que je vienne passer l'hiver ici. On a eu une saison exceptionnelle, 11 mètres de poudreuse. Et un grand sourire. Je regarde la grosseur de vos skis, c'est un bon indicateur de ce qu'on retrouve ici. Souvent, les gens me disent « Où tu t'en vas avec tes skis nautiques, Marie? » Ils comprennent pas pourquoi, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'avec les petits skis du Québec, c'est vraiment pas ça qu'il faut ici. Les gros skis de poudreuse, ça fait peur au début un peu, mais une fois qu'on est là-dessus... On est d'accord, c'est peut-être pas la montagne parfaite pour les débutants, mais à partir de skieurs intermédiaires, il y en a pour tout le monde. Mais ouais. C'est quand même un gros terrain, là. C'est un gros terrain, il y a du terrain expert. Il faut juste se faire confiance, puis regarder un peu le terrain, demander aux locals. Mais il y en a vraiment pour tout le monde, mais c'est sûr qu'un skieur intermédiaire expert va avoir beaucoup plus de plaisir et d'options qu'un skieur débutant. Bon, mais on va découvrir ça avec Marie, notre ami Simon, Jean-Luc Brassard et notre ami de chez Gendron, Paul. Bienvenue à Revelstoke. On y va! La montagne offre pas moins de 3121 acres de terrain skiable comprenant des bols en milieu alpin, mais aussi 15 sections de montagne dans les arbres et du terrain damé phénoménal. Quelle montagne gigantesque! Revelstoke, c'est officiellement le plus gros dénivelé en Amérique du Nord. 5600 pieds à partir du sommet jusqu'à la base. La station existe depuis seulement 5 ans. Il y a 3 remontées principales. La gondole Revelation, qui vous donne accès à tout le domaine skiable. Du côté du bol nord, c'est le Ripper, qui donne accès aussi à des sous-bois. Vraiment un secteur à découvrir. Et la remontée principale, c'est la Stoke, qui donne accès à tout le secteur alpin. Il y a 54 pistes répertoriées du beau territoire, du beau terrain damé. Il n'y a pas une couche de glace ici, c'est impossible. Mais ce qui est impressionnant, c'est tout le secteur hors-piste. 3000 acres de terrain. Et regardez, on dirait qu'il neige tout le temps. C'est un peu ça le positionnement de Revelstoke. On veut faire découvrir l'immensité du territoire. On offre le ski en station, le ski en chenillette à partir du ski, là, du cat skiing. Et si on veut explorer davantage, bien, Selkirk Tangiers est associé à Revelstoke pour aller skier en hélico. Mais il y a pas mal tout ce qu'il faut ici quand il y a une tempête. Donc ça, c'est North Bowl, en fait. Oui, ici, on est à l'entrée de North Bowl, une des entrées qui s'appelle Sweet Spot. Il y a plusieurs entrées pour venir dans North Bowl. Moi, j'aime bien Sweet Spot parce qu'on a accès à beaucoup de terrain et on n'a pas besoin de marcher. Exactement. Puis ça nous fait un petit réchauffement. Ça nous fait un petit réchauffement. Fait que nous, dans le fond, on va prendre l'entrée juste ici puis on va rentrer dans North Bowl. OK, on te suit. Wow, check le bol, allez pas ami. Trop vite, une petite bosse. Elle connaît son spot, le Sweet Spot. Comment tu t'es retrouvé à Revelstoke?
mon copain qui est norvégien est venu passer l'hiver ici l'année passée, puis il m'a dit, Marie, on n'a pas le choix de passer une autre saison ici. Fait que je suis déménagée dans l'Ouest pour l'hiver, puis je regrette pas ma décision. Ça faisait ton affaire. Puis là, présentement, tu es ce qu'on appelle accompagnateur ou représentant à destination, c'est ça? Oui. En fait, mon rôle, c'est d'accompagner les Québécois qui viennent ici en vacances. Je skie avec eux leur première journée pour leur montrer les meilleurs spots sur la montagne, leur conseiller les bons restos en ville. Puis après, ils sont autonomes pour le reste de la semaine, puis ils connaissent les bons endroits. Fait que si une journée de poudreuse, ils savent où aller pour leur première descente. Donc, ils se sentent un peu plus encadrés. Je pense que vous avez ça à plusieurs endroits, là, le Voyage Andron. Oui, Voyage Andron a fait un service de représentant à destination à Chamonix et à Salt Lake City. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont là, c'est ça? Bien, à Salt Lake City, on parle, il y a plus de 1000 skieurs qui vont là à chaque hiver. Chamonix, beaucoup de monde aussi. Puis c'est une valeur ajoutée. Puis souvent, les gens, ils choisissent cette destination-là juste parce qu'il y a un représentant à destination. Ils se sentent en confiance. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, il y a quelqu'un à qui ils peuvent parler sur place. C'est plus facile. Dans le fond, t'es un peu le local. Ouais. Je me demande si c'est eux ou toi qui sont en vacances. Je pense que c'est moi, des fois. Petit monde. De l'autre côté, c'est Gracias Ridge. C'est là qu'on va aller skier pour la prochaine run. Il y a plusieurs options. Il y a 5 corridors. Puis si t'es un peu plus téméraire, il y a beaucoup de cliffs à sauter, des barres rocheuses, on dirait en français. Les cliffs, ça va être lui là, en mauve, puis lui en vert. Nous autres, Paul, on va rester les pieds au sol. Gracias Ridge, c'est là qu'il y a la plus belle neige sur la montagne parce que c'est un peu plus loin, fait qu'il faut se donner la peine de se rendre. Puis quand il y a une grosse tempête de neige, c'est la partie qui ferme. Donc, deux jours après, quand c'est la semaine puis qu'il n'y a plus de touristes, les locals, on va là, puis on a de la neige jusqu'au jour. Hey Marie, on peut-tu prendre un break? On arrive-tu? On arrive-tu? C'est super belle. Restez des nôtres. Ski Mag se poursuit après cette pause depuis Revelstoke en Colombie-Britannique. Luc, première impression, est-ce que ça te fait penser un peu au massif avec le cours d'eau qui plonge au pied des pentes? Oui, la rivière Columbia, c'est impressionnant. Tout de même, c'est impressionnant. C'est un fleuve ou une rivière majeure. Revelstoke, on parle beaucoup du dénivelé, mais faut le vivre pour le croire. C'est immense, c'est gros. La qualité de la neige, exceptionnelle. Aucune plaque de glace, que de la neige naturelle. Des beaux vallons en descendant, c'est nirvana, c'est le paradis. Toi, tu voyages beaucoup avec Gendron, puis t'as fait pas mal de stations de ski. Pourquoi tu as décidé un peu de t'associer ou tu aimes bien voyager avec eux? Un voyagiste axé sur le ski, ouais. Donc qui connaît les besoins des skieurs. Moi, personnellement, avoir une station qui vibre de party, je veux faire le party à Montréal. Quand je me déplace pour faire du ski, c'est pour faire du ski.
Est-ce que tes horizons de ski se sont élargis? Tu sais, t'as fait une carrière de ski acrobatique internationale. Là, je te vois avec des bottes de randonnée, tu fais du hors-piste, tu fais du carving. Est-ce que ça a ouvert un peu ton esprit ou... Absolument. Les bosses, j'en ai fait. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais maintenant, j'ai passé à d'autres choses. J'en fais encore des bosses pour le plaisir, mais quand elles sont belles. Mais évidemment, le carving sur des qualités de neige comme ça, c'est fantastique. La neige poudreuse, la randonnée. J'aime autant maintenant, j'apprécie autant la montée en peau de phoque que la descente. C'est l'expédition comme telle, c'est le plaisir, la découverte. Puis je vois aussi que tu as une autre passion qui est peut-être photographique parce que, tu sais, on te voit vraiment, tu tripes image. Oui. Ah, c'est tellement beau. Faut vraiment être pas bon pour manquer ces photos de montagne. C'est surtout ça mon avantage. Et c'est aussi pour, à l'époque, c'était pour me souvenir des destinations parce que je pensais pas avoir une aussi longue carrière. Puis je me disais, bien, tant qu'elle était en Europe, je veux m'en rappeler. Alors, je prenais des photos, puis je les regardais, puis je me disais, c'est pas tout à fait ce que j'ai vu, il me semble. Alors, en demandant des conseils, puis après ça, en développant, en côtoyant des photographes, puis de fil en aiguille au fil des années, bien, voilà, c'est une passion, c'est mon dada. C'est lourd à traîner, ton caméraman en sait quelque chose, mais la récompense le soir, c'est extraordinaire. Ben ouais, c'est le fun, parce que sinon, j'aurais dû prendre des photos, puis oui. En tout cas, c'est le fun que tu sois avec nous. Bien, j'apprécie énormément, merci. Ouais. Bien, ici, Simon, on est au top du North Bowl. Ça s'appelle Sub Peak, c'est environ 15 minutes de marche. C'est quand même intense, mais ça vaut la peine. Le sommet qu'on voit juste en haut, c'est le mont Mackenzie qui est à 2450 mètres. OK, ça, c'est le Mackenzie. Oui, ça, c'est le Mackenzie. Fait que ça, on peut se rendre. On voit des skieurs qui, tranquillement, pas vite, ils font leur chemin pour se rendre au sommet. Puis une fois au sommet, t'as plusieurs lignes qui sont possibles en hors-piste. Puis une célèbre à Revelstoke, c'est Brown Short, le couloir qu'on voit. Tu l'as fait? Moi, je l'ai fait hier, puis pas pour rien que ça s'appelle Brown Short. Puis on peut soit aller du côté de North Bowl ou on peut descendre du côté de South Bowl, qui est une autre option, un peu plus tranquille. De ce côté-là? Ouais, c'est souvent moins skié, fait que la neige est tout en belle. Après la journée, le groupe de voyage Gendron a été invité à prendre part à l'après-ski au Nelson Lodge, qui fait maintenant partie de la famille des hôtels luxueux 5 étoiles de la chaîne Sutton Place. Nous avons pu profiter d'un léger goûter et discuter de nos plus belles descentes. Cet établissement ski au pied propose des suites offrant une vue imprenable sur la rivière Columbia et les montagnes Monashees. Les unités sont construites avec du granit, du bois riche et décorées avec des accents de cuir, d'acier inoxydable et de nickel. Bien que la station de Revelstoke n'a qu'à peine 5 ans, le village au pied des pistes prend de plus en plus forme et offre des services tels que le Rockford Walk Bar and Grill, qui propose des repas copieux dans une ambiance de bistrot moderne. À quelques minutes du bas des pistes, vous pourrez aussi découvrir le village de Revelstoke, qui propose aussi plusieurs services tels des boutiques, des bars et des restaurants. Le Village Idiot est le spot pour les jeunes et parfait pour les ski-bums. À l'origine, la ville de Revelstoke s'est développée dans les années 1900 autour du transport ferroviaire, le chemin de fer développé par le Canadien Pacifique. Ensuite, c'était surtout par l'industrie forestière. Mais maintenant, avec le centre de ski, il y a une belle clientèle touristique, il y a des restaurants, il y a des beaux trucs à voir. Et on a trouvé un petit coin tenu par des Québécois, un autre spot que Paul connaît. Allez voir ça si nos Québécois font une bonne job. La vision du Woosley's Creek Bistro est de créer une expérience unique où l'imaginaire et la cuisine savoureuse se rejoignent dans une ambiance chaleureuse. La table s'inspire du terroir et offre une cuisine qui promouvoit les produits biologiques ainsi que les produits de la région. C'est un endroit à découvrir lors de votre visite à Revelstoke.
La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Les Twin Tip ou ski à double spatule, Dave, c'est plus fait seulement que pour aller à reculons, hein? Non, les Twin Tip, maintenant, c'est vraiment spécialisé. Si on regarde, par exemple, un ski comme ça, ça, c'est vraiment l'âme pure du Twin Tip. Quand on regardait les X Games, les sauts, les rails, ça, c'est spécialisé pour ça. C'est okay. Beaucoup plus mince au patin. Donc, à l'origine, un Twin Tip, c'était effectivement fait pour aller à reculons. C'est fait Il y en a même, je pense, qui montaient la fixation carrément au centre pour que le ski puisse performer autant bien de devant que de derrière. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui dans les types de ski comme ça. Ça, ça sert à quoi? D'aller devant comme de reculons, aussi bien des deux côtés. Puis c'est vraiment pour les sauts, les rails. Le jeune qui se tient dans le parc à longueur de journée, c'est fait pour ça. OK. On regarde ici déjà beaucoup plus large. C'est un ski double spatule peut-être plus conventionnel? Ça, en fait, c'est vraiment un ski tout-terrain, mais avec une spatule Twin Tip. Mm-hmm. Donc, carrément, c'est bon pour le tout-terrain sous bois, bord de piste. Oui, le jeune qui veut faire du park, c'est très bien aussi. Mais lui qui veut une bonne mise à corps, une découpe parabolique, comme un ski standard, ça fait la job aussi. Donc, on réussit à faire de bons virages sur une piste damée quand on sort justement du terrain un peu plus accidenté, puis il y a différentes profil de plus en plus coupé. Puis si on va à l'extrême d'un ski double spatule, ça peut ressembler à quoi? Ça va très loin. Si on va à l'extrême, on peut aller chercher un type de ski comme ça. Donc ça, c'est très, très large. Une palette. C'est surdimensionné, c'est quasiment un ski nautique. OK. Mais c'est vraiment conçu pour la neige. Ça prend un pied et demi de neige quand on ne skie pas avec ça sur le damé. Ça, c'est Donc ça. Beaucoup de flottaison. Je remarque aussi qu'il y a déjà une cambrure, ce qu'on appelle rocker, qu'on appelle comme banane rocker. Un peu. C'est ça. Quand on regarde le ski, il est vraiment d'une forme banane. Ça sert au ski vraiment à flotter, se décaler de la neige carrément. C'est sûr qu'on va dans l'ouest ou dans les grosses montagnes, mais au Québec, quand même, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Place comme le Massif, le Sautun, qui a beaucoup plus de neige que la vallée de Saint-Sauveur, par exemple. Là. C'est peut-être pas notre ski de tous les jours, peut-être une deuxième paire de skis. Parlons en conclusion de tous ces designs, les graphiques qu'on utilise. Ça aussi, c'est vraiment particulier à ce type de ski-là. Quand on regarde les Twin Tip maintenant, souvent, même les skis sont deux différentes couleurs. Donc, c'est rare maintenant que les skis Twin Tip ont la même couleur. On a même fait faire des graphiques spécifiques à Ski Town ici, ouais. Sur le modèle Ford. Front de Click. Donc ça, c'est vraiment un mode exclusif qu'on retrouve seulement chez Ski Town. Donc, question de construction et de caractéristiques, mais question de goût aussi. Question de goût. Merci, Dave. Morning! Bon, deuxième journée. Je vais essayer de vous en montrer toutes, mais ça sera pas facile. Il y en a beaucoup à voir à Revelstoke. Ça prend une saison complète là, pour faire le tour. Ça prend une saison complète. Qu'est-ce qui te reste, toi, quelques tours dans ton sac quand même? On va retourner sur Gracias parce qu'hier, on a juste fait une ligne. Il y a d'autres variantes? Il y a d'autres variantes. On est dans un endroit, je vais dire, secret. Je connais pas le nom. En fait, c'est le deuxième bout de pack à partir de Gracias Ridge. Puis ça vaut la peine de venir parce que si on regarde, il n'y a pas beaucoup de traces, puis il y a bien de la neige. Donc, est-ce qu'on est encore dans le bol nord ou on est comme sorti? On est un peu sorti. Puis en fait, à partir d'ici, on s'en va à la chaise de la Ripper. On l'a. On est encore. Let's go, on va aller goûter à ça. Un peu tête, par exemple.
Au moment de tourner l'émission, à la mi-avril, c'était la dernière journée de ski de Revelstoke, puis il neige encore. C'est pas parce qu'il manque de neige qu'on ferme, hein? Non, c'est pas parce qu'on manque de neige, il manque juste de skieurs. À ce temps-ci de l'année, on passe à autre chose, mais avec 92 jours de ski, là, je peux pas me plaindre. Je pense que vous allez avoir de la visite de quelques Québécois. Ça va continuer à se développer. J'espère. C'était bien belle fun, en tout cas. Merci à Paul, merci à toute la gang de chez Voyage Gendron. Merci à Jean-Luc Brassard et à Miguel. Il nous reste peut-être un petit peu de gaz pour faire une dernière descente. Oui. Un petit peu. Merci d'avoir été là. Ici Simon Saint-Arnaud. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. Ski Mag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Et par Voyage Gendron, vacances plein la vie. Bon, on va découvrir ça avec Marie, notre ami Simon, Jean-Luc Brassard et notre ami de chez Gendron. J'ai oublié ton prénom, c'est-tu que je suis dans la ligne? Voyons, c'est-tu? Paul, voyons, j'ai un blanc. Puis mon micro, il me frottait dans... Il me frottait-tu mon micro? OK. À l'origine... La Revelation, c'est la télécabine, la remontée quadruple Stoke qui donne accès au secteur le plus alpin de la montagne et même le petit Ripper. On voit où est-ce qu'est ton esprit, tu sais. Ça fait 3 minutes qu'il n'y a pas un mot. Comment ça s'appelle, d'autres bars de danseuses?